What's up les gamers et gamers, c'est Néo, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA 15, une vidéo assez simple mais qui va aider, je pense, beaucoup de personnes. Il s'agit des techniques d'achat-revente, donc pour avoir plein de crédits et se faire des équipes de rêve avec Messi, Ronaldo, Robben, enfin des joueurs, des gros joueurs que qu'on peut pas se payer en faisant 4 matchs, 5 matchs, voilà. Et donc, je vais vous expliquer trois principales techniques d'achat-revente. Et en fin de vidéo, normalement, vous aurez chaque liste, enfin, une liste pour chaque technique et qui marche beaucoup. Donc, on va tout de suite commencer avec la première technique qui, est une technique beaucoup connue des joueurs qui font de l'achat-revente en France. Donc, il s'agit bien sûr de la Tech Avion. Et je vais expliquer bien sûr ce qu'est la Tech Avion. Donc bien sûr, la Tech Avion, c'est une technique qui est lente quand même, qui est assez lente. Si vous avez un joueur, ça sert à rien de faire de la Tech Avion, il vaut mieux faire la deuxième technique que j'expliquerai juste après. Donc la Tech Avion, il s'agit d'acheter un joueur le plus bas du marché. Donc par exemple, comme vous voyez à l'écran, Benzema, vous l'achetez au prix le plus bas du marché, vous allez le mettre dans votre club, et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez le mettre dans votre équipe, vous lui ajoutez le maximum de contrats que vous pouvez, genre entre 40 et 89 contrats. 89 contrats, bien sûr, c'est le mieux. Et vous lui mettez une carte seal s'il n'en a pas. Après, une fois que vous avez fait tout ça, et ben vous le mettez 1000 ou 2000 crédits plus cher, et votre Tech Avion, bien sûr, sera réussi. Alors les gars, je tenais juste à vous dire que cette technique, voilà, il faut avoir de la patience. De toute façon, pour l'achat-revente, pour toutes les techniques, il faut avoir de la patience. Mais cette technique, voilà, vous ne vendrez pas tout en une heure. Je vous le dis directement, vous ne vendrez pas tout en une heure. Il faut lister, vous listez en une heure. Si ça part pas, vous laissez au même prix. Si par exemple, au bout de 7-8 heures, 7-8 relistages, vous voyez que ça part pas, vous baissez 200-300 crédits. Mais vous ne baissez pas plus de crédits, les gars. C'est un très 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 important si vous voulez faire du bénéfice sur vos joueurs. Bon voilà, ensuite on passe à la deuxième technique. Il s'agit de la Tech 59. Donc la Tech 59 a été réalisée une fois que l'appli web était en maintenance. Donc merci d'ailleurs à EA d'avoir fait ça, d'avoir bloqué l'appli web un peu pour qu'on puisse se faire des crédits. Donc la Tech 59 consiste à chercher un joueur à la 59e et la 59e seconde, pardon. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, voilà, je cherche un Benzema à un prix c'est compliqué à expliquer, mais une fois que vous avez compris, c'est très simple. Si vous voulez, on va prendre un exemple où Benzema, il est à 5000. À 5000, vous dites ouais, il y a la taxier qui est de 5%. Donc c'est très simple, vous allez prendre votre calculatrice, votre ordinateur, la calculatrice de votre ordinateur, votre téléphone, enfin bref, pour calculer votre taxier, vous faites 5000, donc le prix de Benzema, fois 0,95, donc ça vous enlève les 5%, et ça vous dit à combien vous devez le choper. Donc je crois que ça doit faire 4875, mais bon, vous essayez de le choper en dessous de 4700, et une fois que vous avez réussi à choper votre Benzema à 4700, même en dessous, et ben vous le relistez directement en dessous. Donc en dessous, pas en dessous de quel vous avez acheté, mais par exemple s'il est à 5000, son prix minimum, vous le mettez à 4900 pour qu'il parte directement. En gros, vous achetez un joueur à 4400, le prix minimal normalement il est à 5000, tac, vous mettez à 4900 directement, au bout de 2-3 minutes il part directement et vous faites 300-400 crédits, et plus vous faites sur des gros joueurs, plus ça va être simple. Je vous dis les gars, faites attention à ce que le joueur ne se vende pas à son prix minimal. Par exemple, comme vous pouvez voir à l'écran, Royce, qui est quand même un joueur qui est beaucoup dans beaucoup d'équipes, je remarque, mais il ne se vend quasiment pas. Vous pouvez voir qu'il se vend à peine à son prix minimal. Donc des fois il se vend pas. Donc n'achetez pas ces joueurs en Tech 59. Moi j'ai pris l'exemple de Benzema parce que c'est un joueur qui, je crois que sa fourchette de prix c'est 2000-12000, et que son prix est de 5000. Donc du coup on peut le choper en dessous de 5000, et du coup c'est beaucoup plus simple. Donc voilà.
Donc il existe plusieurs techniques pour cette Tech 59. Donc prenons l'exemple d'écart style aussi, donc il y a les joueurs. Mais comme Benzema, mais il y a aussi les consommables comme l'écart style, ombre ou chasseur, que vous faites exactement la même technique, vous les trouvez à 4600, hop, vous les achetez à 3900, enfin voilà. Vous avez compris, il existe aussi les changements de poste. Donc je vous dirai tout ça en fin de vidéo, les listes de joueurs et de consommables pour la Tech 59. Et enfin, il nous reste une dernière technique qui est la technique qui marche le plus en ce moment, mais il faut avoir quand même un minimum de crédit. Donc il s'agit bien sûr de la tech pigeon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette technique, mais voilà, cette technique a pour but d'acheter un joueur. Donc vous l'achetez bien sûr au plus bas du marché, vous lui mettez les quelques contrats, vous lui mettez une carte style, même c'est pas grave s'il en a pas, hein, s'il en a pas, vous l'achetez et vous le mettez à son maximum. Donc quand je dis à son maximum, bah tout simplement, par exemple, on va prendre l'exemple encore de Benzema parce que c'est voilà le seul que j'ai en tête. Et ben vous l'achetez par exemple à 5000 et vous le remettez à 12000. Bien sûr les gars, ne faites pas sur Benzema parce que je crois qu'il se vend pas à 12000, mais vous inquiétez pas, vous avez juste à aller voir en fin de vidéo pour voir les techniques, enfin les joueurs de cette technique qui marche. Et là les gars, franchement c'est un truc de fou. Donc par contre pour cette technique quand même il faut avoir un minimum de crédit. Donc moi vous pouvez voir que j'ai 140 000 crédits à peu près. Donc voilà, franchement pour faire cette technique, pour faire cette tech pigeon, il faudrait avoir au moins 100 000 crédits. Donc avec les deux autres techniques que je vous ai présentées juste avant, surtout la Tech 59, bah ça sera très rapide normalement de monter aux 100 000 crédits. Et donc voilà. Donc moi je vous laisse avec les listes des joueurs. N'hésitez pas à faire pause pour bien voir tous les joueurs qu'il y a sur cette liste. Et moi les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai serré, je pense que je vais envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires FIFA, dont la Only FIFA, la communauté FUT, ainsi que la Atari Gaming. Franchement, merci aussi de l'upload. Moi j'essaie d'aider le maximum de personnes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez carrément réussi à vous faire des millions, des centaines de millions, pas des centaines de millions, mais des centaines de cas de crédit pour paquer pour la TOTS. Voilà, parce qu'on l'attend avec impatience cette TOTS. Voilà, elle a été repoussée de 2 semaines. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était No, portez-vous bien. Et surtout, geekez, peace.